Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Donc aujourd'hui on va faire du stream très facilement. Pas besoin de vous acheter bien sûr, mais qu'un ingrédient. De la pâte à fixe. N'importe quelle pâte à fixe, ça marche. Et du gel douche. Nous on a pris celui-là. Donc d'abord vous allez sortir toute la pâte à fixe que vous voulez. Moi j'en fais un moyen. Pour en avoir quand même un gros quand même, pas un petit, mais je connais un petit. On va en prendre un comme ça. Donc moi, je vais prendre tout ça. Regardez. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Après, je vais tout bien refermer. Pas obligé. Après, on va venir quand même le malaxer un peu. Mais ça va être dur au début, mais après, on éteint. D'abord, vous allez faire... Vous allez l'étaler, enfin l'agrandir. Ce serait dur de malaxer une pâte à fixe. Alors c'est dur en fait la pâte à fixe. Après, je vais mettre un peu. Aïe. Voilà. Vous allez l'étaler. Comme ça. Vous allez le malaxer. Jusqu'à ce que ça fasse une pâte très molle. Pour l'instant, ça fait rien, mais c'est normal. Il faut très bien malaxer, en fait. Voilà. Il faut que ça rentre dedans. Là, vous voyez, ça commence. Je peux plus l'écarter. Donc ça, ça va très bien déjà. Donc, on continue de malaxer. Moi, j'aime bien me salir les doigts. Sauf quand c'est de... Voilà, ça m'énerve. Bon. Ah, là, ça commence. On va prendre ce qu'il y a sur la table, parce qu'il y en a un peu, on va pas gaspiller. Donc, on va continuer à faire comme ça. Après, c'est comme ça que ça va le rendre liquide si vous appuyez. Après, voilà, regardez, ça commence. On va en remettre. Oui, ça commence. Ça commence, ça commence. Il faut continuer, ça, il faut continuer. Ça commence. Et après, bien sûr, vous vous lavez les mains pour pas vous le retoucher. Vous avez les mains sales, quoi. Bon, c'est une odeur bizarre, juste. Voilà, sinon... Sinon, c'est bien, donc on continue. Ça se casse facilement, quoi. Donc, je sais pas si c'est du fake ou pas. Donc c'est ça le problème. Je sais pas. Donc si c'est du fake, ben, je n'aurai pas de salon avec comme ça. Mais si c'est pas du fake, c'est trop bien parce que je pourrais en faire tout le temps comme ça. Pas besoin de dépenser de la colle que j'ai Cléopâtre. Voilà. Donc on continue, on le malaxe très bien. Appuyez surtout. Ah, vous appuyez, vous voyez comme... Fort sur la pâte à fixe, sur une nappe, c'est plus facile à laver. Faut que la pâte à fixe ait la sensation que vous allez lui faire après, quand il sera rond. Ça commence quand même à faire une pâte. Ouais, très bien. Donc je crois que ça va marcher et je suis super contente parce que ça va être trop bien quoi. Ouais, ça commence, ça s'étire mieux qu'avant. Waouh, ça commence. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon, c'est dur à malaxer au début. Donc, ceux-là qui n'ont pas beaucoup de force, ben, demandez à quelqu'un. Après, c'est super bien, ben, ça commence. Donc là, on va continuer jusqu'à ce que ça fasse une pâte pas dure à faire comme ça et tirer. Vous voyez, ça se décolle, mais c'est normal. Parce qu'en fait, il se rend compte que là, on le fait en slime. Mais c'est mon back-end. C'est bon. Donc là, on malaxe encore. Là, 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 là. Donc, bien sûr, tant qu'on y est, abonnez-vous à ma chaîne.
et likez si cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, c'est pas encore fini la vidéo. Et après, si vous voulez, vous pouvez colorier le slime une couleur que vous voulez. C'est pas encore fini, donc on va encore le remettre dessus là. Donc on continue. On va faire comme on a fait. Là, ça commence quand même par une pâte plus moelleuse. Vous comprenez? Donc là, c'est dire qu'on va avoir un slime. Et c'est cool ça. Waouh! Moi, au début, à un moment, j'avais peur du slime. Mais après, je me suis dit qu'est-ce qu'il peut avoir de danger. En plus, il sent bon avec celui-là. Je vous conseille de prendre celui-là si vous voulez pas qu'il pue votre slime. Parce que la pâte à fixe avec notre goût, normalement, ça pue. Et j'avais déjà testé, mais ça n'avait pas marché. Je crois que c'était avec de la limonade. Ils avaient dit que le 24 heures, ça n'avait pas marché. La pâte à fixe, elle était encore super dure. Et surtout, quand tu le prenais, il y avait plein de, petits boutons. Boutons, ouais. Et c'était dégueulasse, quoi. Enfin, non, ça ne marchait pas. Dégueulasse. Donc là, ça marche. Là, je suis super contente en fait. Parce que là, en fait, je vais avoir un slime, mais. Donc, je vais avoir un slime, donc ça va être super cool. Enfin, j'en ai pas souvent, quoi. Je regarde vers où? Voilà, donc si cette vidéo vous plairait, ben là ça commence à faire quand même un slime. Et regardez, c'est pas encore la texture qu'il faut, je crois. Donc on va en remettre et en remettre et en remettre et en remettre et en remettre. Enfin, un peu, vous voyez, parce qu'il y a encore. Vous voyez, je tremble carrément. Il est dur encore un peu. Donc on va mettre un peu sur la table. Voilà. Et on va, j'en ai mis un peu sur la table. Oui, donc comme je vous disais, voilà, il faut encore malaxer. Super bien. J'ai entendu une tondeuse, ben en fait c'est ma tati qui tombe. C'est bien. Ah là, c'est une texture qu'on veut en fait, hein, là je crois. Là, c'est vraiment la texture du slime. Ouais. Oh my god. Oh, on peut faire du slime, oui, avec gel douche. Ah, ah, je savais pas moi. Alors là, je vais en faire tout le temps en fait. Parce que là, on a du slime. Du slime, vous écoutez bien ma bouche. Du S L, non, on va pas lire les lettres parce que je sais plus comment ça s'écrit. On a du slime, les gars. Regardez. Oh my godness. Oh my god. 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 Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh my god. Oh my god. Si ça veut dire oh mon dieu, voilà, si vous voulez me dire dans les commentaires. Je sais déjà. Et regardez, là c'est vraiment la texture qu'on veut de slime en fait. Et en plus, mais il y a même des bulles. Donc je vais me laver les mains, je vais laver la table et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai tout nettoyé. Et maintenant, vous avez votre slime.
Vous voyez, il est super élastique et tout, donc voilà. Et si on passe les 10 cœurs, je ferai une autre vidéo, mais où j'invente des recettes de slime où ça pourrait marcher. Et on fera des expériences. Ah ouais, plutôt des expériences. Des expériences où on trempe des œufs dans de l'huile, ça fait une balle, faire congeler des fraises, faire plein de trucs amusants pour passer un bon moment ensemble. Donc voilà, si j'attends les 10 cœurs, ça va. Je sais que vous n'allez pas y arriver, mais bon. On va essayer quand même. Je ferai cette expérience en rigolant, en m'amusant, en faisant tout ce que je peux. Voilà. Ah oui, désolée, j'étais concentrée sur mon slime. Donc, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, à vous abonner, activer la petite cloche jusqu'en bas à pour recevoir quand je sors une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao!